allons parler de ces différents aliments qui sont recouverts avec un ingrédient un peu différent du produit d'origine. De quoi je parle? De l'amande, des cacahuètes qui sont pralinées, recouvertes de sucre, recouvertes avec d'autres ingrédients sur lesquels on pourrait se poser la question quant à la bracha qu'on doit réciter avant de consommer cette amande. Est-ce qu'on doit dire la bracha de Haetz ou la bracha de Sheakol sur la cacahuète? Est-ce qu'on dit la bracha d'Adama ou la bracha de Sheakol? Finalement, lorsqu'on consomme ces fruits secs, enfin qui ne sont plus réellement secs, on a davantage envie de consommer le sucre, la matière sucrante, plutôt que l'amande ou la cacahuète. Que faire en ce cas-là? Ce qui est conseillé, même souhaitable à faire, c'est de l'ouvrir, au moins la première, de faire la bracha sur le fruit, enfin l'amande, la cacahuète, et de faire la bracha sur le sucre. Maintenant, c'est assez compliqué, surtout lorsque les produits sont de petite taille, les ouvrir au moins la première. Donc l'Halakha considère que lorsque je consomme ce genre d'aliments, je suis davantage dirigé vers le sucre plutôt que vers l'amande ou vers la cacahuète. Je peux me contenter donc de dire la bracha de Sheakol. Qu'en est-il maintenant de ces mêmes amandes, ces mêmes cacahuètes, qui ne sont pas enrobées, avec une matière sucrante, mais avec une matière qui est faite à base de céréales? C'est ce qu'on appelle, je crois, en Israël aujourd'hui, les kabukim. Kabukim, ce sont des cacahuètes qui sont recouvertes avec une coquille, mais qui est faite à base de céréales. Est-ce qu'on doit dire la bracha de Maisonot sur le tout, ouvrir et dire Maisonot sur l'un et Haetz ou Adama sur l'autre? A priori, c'est ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire ouvrir, dire Maisonot sur la coquille, dire la bracha du fruit ou de l'aliment à l'intérieur indépendamment, et ensuite consommer le reste. Ça, c'est ce qui est noté et ce qui est même souhaitable à faire. Par contre, c'est important de le dire aussi, on peut également dire la bracha de Maisonot sur la coquille elle-même et penser à acquitter l'intérieur, puisque à la fin, on considère que Maisonot, c'est une bracha qui peut acquitter l'ensemble des aliments à part le sel et l'eau qui ne nourrissent pas, parce que Maisonot, ça veut dire nourrir, et donc on peut a priori dire Maisonot sur la coquille et avoir l'intention d'acquitter le tout. Mais Icaradine, en tout cas, c'est sûr et certain que c'est plus que souhaitable de l'ouvrir, dire la bracha donc de Maisonot sur la coquille et la bracha de Haetz si c'est une amande ou Adama si c'est une cacahuète qui se trouve donc à l'intérieur, au primitif.